Bonjour, bonjour. Bonjour. Et on va recommencer, tu demandes à la coach. Voilà. Donc on va voir ce que le mois d'avril nous réserve. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivent, ok. Il déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Je chasse toute mauvaise énergie ici, toute caméra maléfique qu'on a mis pour vous contrôler, toute personne qui se fait passer pour qui elle n'est pas. La lucidité, la clarté dans vos affaires, la sagesse. Voilà. Je vais vous donner des choses qui sont importantes pour le mois de... quand vous commencez un nouveau mois. Ok? Certaines personnes venaient de commencer à me regarder. Vous venez de commencer à me suivre. Donc, du coup, vous êtes un peu confus. Donc, j'ai l'intention de pouvoir... à travers les deux, trois petites vidéos que je vais, les choses que je vais expliquer dans cette vidéo, je veux que vous puissiez reprendre les choses à zéro, restaurer ce qui a été volé et comprendre que le spirituel est inévitable en fait. Et généralement, on évite le spirituel parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'on on comprend pas, on ne maîtrise pas, on se dit bon, bêta, je laisse. Parce qu'on a parfois on a même peur du spirituel. Car ici, ça me fait du mal. Voilà. Donc ceux qui me regardent souvent de temps en temps, abonnez-vous. Vous mettez la clochette, on appelle ça clochette. Comme ça, quand je passe en direct, tu peux voir. Ok. Je veux lancer aussi TikTok. Et lance aussi les gens qui m'embêtent, tu veux arrêter avec. A day in the life of a stay-at-home, burned-out, degenerate college student with no friends, no money, no job, no motivation. No social life, no relationship, no love life, no personality, no bitches. Ouais, ça bug. Je crois qu'il veut laisser TikTok, c'est là. Ça bug. Vraiment, les gens qui me suivent sur TikTok là, je vous demande de venir vous abonner. Abonnez-vous sur Facebook. TikTok me donne souvent des maux de tête. Bon. Ça me perd le temps, donc je crois que je vais partir. Je vais juste faire des courtes vidéos que je vais poster après. Comment un téléphone peut déranger autant? Oui, Seigneur. Bon, je viens nettoyer l'atmosphère.
chasse toute mauvaise onde, tout esprit de ralentissement, tout contrôle à distance, tout œil maléfique qui va empêcher que certaines personnes ne puissent profiter de ce que j'ai à donner ce matin. Voilà. Seigneur, je demande ta clarté, je demande la lucidité dans ce que je vais dire et que ces paroles puissent vous permettre de continuer d'avancer. Donc, au nom de Jésus, amen. Voilà. J'ai intitulé cette vidéo les choses clés que tu dois faire dans ton nouveau moi. Parce que je sais que vous avez commencé, certains d'entre vous avez commencé à m'écouter et après un moment, vous avez un peu abandonné, on va dire comme ça. Vous êtes parti ailleurs. Ça ne me dérange pas, comme je le dis souvent. Mais quand tu commences un peu à trop t'embrouiller, à la fin, ça... À la fin, tu n'es plus concentré. Donc, je veux juste vous rappeler ce que certains d'entre vous connaissent. Donc, la première chose clé que tu dois faire dans un nouveau mois, tu dois payer ta dîme. Donc, je vais vous prendre dans le processus terre à terre pour payer sa dîme. Donc, pour ceux qui le font déjà, tant mieux. Pour ceux qui ne le font pas bien, vous allez apprendre aujourd'hui à nouveau. Voilà. Ouais, Seigneur. TikTok, c'est là-haut. Voilà, je vais faire une vidéo là-bas. Quand même, ça peut pas être mon téléphone qui bug autant. Bon, vous avez besoin d'un papier. Ceux qui savent qui vont s'accorder avec moi, prenez un papier, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'un papier. Et ceux qui payent déjà la dîme chez moi, je vous ai déjà conseillé de prendre un cahier carrément. Donc, sortez un cahier. Et dans ce cahier, vous devez avoir la liste des dîmes que vous avez déjà payées, les montants, les dates, toutes ces choses-là. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que si tu n'as pas de vision et que tu n'as pas écrit ta vision quelque part, tu ne sais pas là où tu vas. Donc vous allez seulement persévérer avec moi, parce que je sais que je dois enregistrer ceci pour mettre sur TikTok. L'esprit m'a dit là depuis 2-3 jours. J'ai un peu abandonné les gens qui sont là-bas. Donc... Je sens tellement de blocage pour cette affaire-ci. C'est possible ça. Je viens libérer tout ce qui bloque. Au nom puissant de Jésus. Voilà, on y est presque. Super. Le Seigneur est merveilleux. On a réussi. Bon, maintenant. Voilà, ça a allégé maintenant mon truc. Ok, vous avez le papier, ok, voilà, je ferai des petits bouts d'enseignement qui vont, sur Facebook je vais rester en direct, sur TikTok je vais faire des petites vidéos que je vais poster après pour que les autres regardent, d'accord. La dîme c'est un principe divin qui date depuis des siècles et des siècles. Et qui consiste à donner 10% de ton revenu, de ton profit dans ton business, de toute augmentation. On te fait un cadeau, on te fait, ton gars te donne l'argent, peu importe comment l'argent a touché ta main.
Même si tu vis chez quelqu'un, tu manges seulement chez la personne. Estime que chaque mois, je mange 10 000. Tu sors 1 000 francs, tu donnes. Donc, la dîme, c'est 10%. Et cela doit être payé là où tu es nourri spirituellement. Beaucoup d'entre vous, pour l'instant, vous errez. Tu es là comme ça, là, tu erres. Et tu as besoin d'une certaine fondation. Tu as besoin d'un ancrage quelque part. Donc, la dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Pas seulement, pas que c'est à l'église où tu pars. Là où tu es nourri, là où tu ressens que je sens, je reçois ma nourriture et ma force spirituelle ici. Je ressens, je reçois la direction. Je vais en parler dans une autre vidéo peut-être parce que aller dans une église, s'asseoir, faire parce qu'on chante depuis 15 ans là-bas, c'est différent de l'endroit où tu es libéré, tu es nourri, tu avances. Donc la dîme, c'est un acte personnel entre toi et Dieu. Tu ne peux pas payer pour ta femme, tu ne peux pas payer pour ton mari, tu ne peux pas payer pour tes enfants. Et malheureusement, on ne nous a pas enseigné la dîme. Parfois, même dans les églises, on enseigne, mais on ne vous donne pas l'importance de la dîme. La dîme, c'est toi qui ouvres ton compte, ta main. Tu dis à Dieu que j'ai reçu telle somme. Je retire 10% et je te donne. Pourquoi? Sur la base de quoi? Tu vas donc dans Malachie chapitre 3, au verset. Malachie chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc la dîme ne se paye pas aux orphelins, parce que ton argent, il y a une partie de ton argent qui part aux orphelins aussi. Donc ta dîme se paye là où tu es nourri, dans la maison du trésor, là où tu es nourri, pour qu'il y ait la nourriture dans sa maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc tu payes ta dîme là où tu es nourri spirituellement. Et c'est maintenant Dieu, parce que Dieu, le message qui de Dieu, ça vient à l'homme ou la femme de Dieu. Et le message qui de sa bouche pour toucher ton cœur. Maintenant, toi, tu prends l'argent ou ce que tu as reçu, tu retournes dans la maison du Seigneur, là où tu as reçu le message. Et c'est Dieu qui te bénit. Donc, c'est une sorte de triangle. Toi, tu ne peux pas donner à Dieu puisque tu ne le vois pas. Et ce que Dieu va faire dans ta vie maintenant, c'est Malachie 3, versets 10, 11 et 12. Il va menacer celui qui dévore. Les fruits de ta terre ne seront plus détruits. La maladie ne va plus passer dans ta maison. Et tu auras la bénédiction en abondance. Donc, ce n'est pas un problème entre toi et le pasteur. Ce n'est pas un problème entre toi et la personne à qui tu donnes ta dîme. C'est entre toi et Dieu. La personne est juste un canal. Voilà. Donc j'ai mis ça, c'est la première vidéo que j'ai faite pour TikTok. J'espère que vous avez bien compris. La dîme, c'est un principe. Divin, qui date depuis des siècles et des siècles. Donc je vais mettre ça comme dans les drafts. On fait ça draft comment là? C'est une draft. Ok. Maintenant, vous devez comprendre que la dîme n'est pas. Je vois, je vais faire une petite vidéo encore par rapport à ça. La dîme, c'est comme un troc. C'est comme un échange qui est entre toi et l'univers. Parce que considère ton argent comme un lac. Si jamais tu ne sors pas pour cela, si tu ne sors pas cette partie, ça veut dire que tu es en train de stagner. Alors que ça doit être une rivière qui coule. Or, le lac, quand l'eau est stagnée quelque part, ça a tendance à sentir. C'est pour ça que tu auras des mois où tu ne payes peut-être pas ta dîme parce que tu penses que j'ai tel problème. Il faut d'abord que je résolve ça. Donc, la dîme, c'est la première chose que tu retires quand tu reçois ton argent. Et je vous dis encore, quand tu enseignes bien la dîme, tu payes ta dîme avec joie. Parce que tu comprends que ça va enlever la maladie de ma maison. Le frigo qui s'est gâté là, la voiture qui se gâte n'importe comment là. Et quand là, tu ne payes pas ta dîme, ne te dérange pas, tu vas payer la dîme d'une autre façon. Soit l'enfant va tomber malade, tu vas partir dépenser ça à l'hôpital. Soit c'est quelque chose qui va se gâter. Soit on va te voler, ton employeur va te voler, tu vas perdre de l'argent par quelque part. Il y aura un autre moyen. La dîme, c'est quelque chose que si tu ne payes pas, tu vas payer d'une autre façon. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui pensent que je suis un homme de Dieu, je suis déjà ouin, je n'ai pas besoin de payer ma dîme, je n'ai pas. Personne n'est exempt, personne n'est épargné de la dîme. Et le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre enfant, c'est de lui expliquer comment la dîme fonctionne. Expliquez à vos enfants. Comment la dîme fonctionne. Quand vous allez leur expliquer, vous allez voir qu'ils vont comprendre eux-mêmes pour eux. Parce que c'est à 25 ans ou 35 ans qu'on t'explique la dîme. Imagine si tu as un truc que tu connaissais là depuis, tu allais te protéger. Tu allais protéger tes finances. Voilà. La dîme se paye avec la joie dans le cœur. La dîme se paye en mettant des intentions sur ce que tu désires. Donc, Seigneur, comme je sors mon argent. Voilà. Comme je sors cet argent, je donne.
Voilà ma part du contrat que je remplis. Toi maintenant, Dieu, tu as dit ceci. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit dans la parole. Tu as dit que je te mets à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve maintenant. Ouvre les écluses des cieux sur mon business. Amène-moi les clients. Parce que parfois, vous partez, oh, je veux que le, je passe le marabout, je veux l'abondance, je veux l'abondance. Voilà un principe qui est dans la Bible. Et la parole de Dieu a été testée cette fois. La parole de Dieu n'est pas là. Tu, la parole est là avant toi, la parole sera là après toi. Donc prends la potion là, tu me dis que voilà, Seigneur, je te teste. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Maintenant, la dîme peut influencer ton mariage, la santé de tes enfants, les finances de ton business, ta faveur. La dîme, en fait, c'est comme... L'argent peut t'acheter la liberté, non. Tu sors de prison avec l'argent, tu achètes la maison avec l'argent, tu achètes la voiture avec l'argent, tu pars à l'hôpital, tu payes avec l'argent pour qu'on te guérisse. Donc, tu peux utiliser la dîme pour parler sur tous les aspects de ta vie. Je veux me marier, Seigneur. Je veux l'enfant, Seigneur. Oh, je veux voyager, Seigneur. Peu importe. Tu mets une intention sur ça. Et tu parles, tu écris avant de s'aimer. Voilà. La dîme, c'est comme un troc. C'est comme un échange qui est entre toi et l'univers. Et Cambi, je suis en train de donner les conseils, donc tu peux écouter. J'ai plein de vidéos sur la page. Bonjour. Donc, quand tu veux payer ta dîme, tu fais quoi? J'ai mon cahier ici, là. Tu mets la date à laquelle tu es en train de payer. Si tu payes, si tu reçois l'argent peut-être tous les jours, c'est-à-dire tu as un commerce qui fait le bénéfice quotidiennement, tu peux payer ta dîme quotidiennement en mettant une intention dessus. Tu peux garder, tu peux à la fin de la semaine. Mais ne faites pas l'erreur de payer la dîme à la fin de l'année, c'est trop long parce que entre-temps, tu peux avoir des problèmes. Et il peut y avoir des saisons où tu as peut-être trop tardé, tu as accumulé ta dîme et celle-là, tu n'as pas encore payé. Mais le Seigneur te met à cœur que paye ta dîme plus tôt que prévu. Peut-être que tu as quelque chose qui te menace la période là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu paies la dîme à 8h, à 9h, tu vois, il y a une ouverture de porte. Donc la dîme, c'est un mystère biblique que vous devez engager. Donc tu prends ton papier, tu vois donc qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce que j'ai dans ce mois ou le mois passé là qui m'a tracassé. En mars, quelles sont les choses qui t'ont tracassé, quels sont les projets que tu as. Parce que vous allez venir sur TikTok et sur Facebook, ça, oh, je veux ça, aide-moi, aide-moi. Prends, tu écris sur ton papier. Et quand tu écris en... C'est comme si tu partais faire une commande dans le supermarché, tu sais que j'ai l'argent de ça. Parce que c'est un pourcentage, ce n'est pas un montant fixe. Si on a dit 10% de 1 million, 10% de 10 millions, 10% de 500 francs, Seigneur, je sors mes 10%, voici ça. Comme je sème ça, Seigneur, je reçois l'augmentation. Tu dis, mais je reçois, et pas que je veux. Je reçois, tu écris comme si tu as déjà reçu. Parce que c'est une promesse. La dîme, c'est un peu comme le reçu de caisse. Tu arrives, tu dis que voilà, j'ai à payer ça en ligne. Donnez-moi tel produit. Donc, vous devez apprendre à parler aussi. Je reçois mon mariage divin. Je reçois, tu sois aussi précis dans les sommes que tu veux, précis dans les dates, précis si tu veux voyager, je veux voyager à telle date. Oh, je veux que telle personne me rembourse mon argent qu'il a pris. Oh, vous aimez qu'on vous dise que je vais faire la sorcellerie pour que telle personne te rembourse. Prends ta dîme, tu sors, tu payes. En payant, tu dis que je veux que telle personne me rembourse les 3 millions qu'il m'a pris. Il me rembourse d'ici le 15 avril. Donc, c'est une opportunité pour toi de prendre les rênes de ta vie, prendre le commandement de ta vie. Oh, tu ne peux pas dire que ton chiffre d'affaires ne te permet pas de payer la dîme. Parce que, supposons que tu as pris un crédit de 5 millions, tu es en train de rembourser la banque. Sur le bénéfice que tu as, même si tu as encore les dettes à rembourser, j'ai enseigné l'autre jour sur les dettes. Je veux te dire, quand tu reçois ton argent, tu payes la dîme, tu payes les dettes, tu économises une petite partie. Donc, tu ne prends pas tout pour aller rembourser ce que tu payes par la dîme. Parce que la dîme, les 10% que tu payes vont bénir les 90% qui vont rester dans ta main pour que tu gères bien. C'est pour ça que certains d'entre vous, parfois, vous payez les dettes, vous remboursez, ça ne finit jamais. Dès qu'une dette finit, l'autre vient. Parce que l'argent que tu as utilisé pour payer la dette là d'abord, tu n'avais pas béni. La dîme vient mettre la bénédiction sur le reste de ton argent. Voilà. Je sais qu'on ne vous enseigne pas, vous n'aimez pas les affaires d'argent, mais je vais parler ça avec vous. Il y a les sujets tabous chez les Noirs, l'argent et la sexualité. Dès qu'on met ça, vous êtes perdu. Pardon, je ne sais pas moi, je sens. C'est comme ça que vous faites. Quand tu veux payer ta dîme, tu fais.
tu payes, si tu reçois l'argent peut-être tous les jours, c'est-à-dire tu as combien? Ok. Karina, je ne suis pas en train de te. Je ne discute pas moi avec toi, tu comprends? C'est parce que tu es en train de croire que je parle parce que c'est ton argent. Prends l'argent et va payer toutes tes dettes. Va payer les factures. Tu vas voir qu'à la fin, tu n'auras toujours pas l'argent. Les dettes là d'abord même, c'est spirituel. Les factures que tu as, c'est spirituel. Donc j'ai l'une d'entre vous qui dit, donc on va laisser toutes nos factures, toutes nos dettes pour aller payer la dîme. Les dettes que tu as d'abord, c'est spirituel. Les factures, c'est spirituel. Il y a des factures que tu payes, tu ne sais pas comment, après ça augmente encore même. Donc, la dîme pour toi, c'est un moyen spirituel de sortir du trou, du tourbillon financier. Il y en a parmi vous que vous êtes toujours au rouge. À la fin de votre mois, à partir du 20 déjà, tu es au rouge. Toujours, tu montes, tu descends. Donc, et il y a certains pays où vous connaissez les cartes de crédit. Ça t'a tellement pris, ça t'a tellement engrené que tu es habitué. Donc, la dîme pour toi, c'est le moyen spirituel de sortir du système. Parce que les pays ont les systèmes financiers. Chaque pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, il y a les systèmes financiers qui sont censés vous attacher. La dîme te permet, peut-être tu es seulement sur un salaire. Tu es salarié, peut-être 1500 euros. Et on sait que tes factures et tout ça ne peut pas te permettre d'acheter une maison peut-être de 400 000 euros. Donc cette dîme-là te permet de pouvoir sortir, d'échapper au système. Mais ça vient avec la consistance. C'est quelque chose qui vient avec la consistance, la persévérance. Parce qu'au départ, quand tu vas commencer à faire, compte un peu comme s'il y a des forces spirituelles qui sont là pour vous assujettir, pour dominer sur la société. D'abord, dans ta mentalité, tu sais que oh, mon seul argent ne peut venir que de mon travail. Quand tu perds la dîme, j'ai une amie par exemple, elle disait que quand elle perd la dîme, elle, supposons qu'elle perd sa dîme, il reste peut-être 100 pounds pour s'occuper de la fin du mois. Elle arrive le jour à Tesco ou à Asda. Elle voyait les promotions, la viande, 75% de réduction. Elle va faire le shopping de 150 pounds le jour-là. Elle va payer peut-être 70 pounds. La dîme, c'est quelque chose que. Ça va te donner les réductions. Ça va t'épargner les choses que. Je ne sais même pas où je peux vous dire ça. Tu vas arriver dans un magasin le jour où, spécialement, le jour-là, on fait les réductions. Qu'est-ce que tu voulais acheter depuis? Ça va te coûter 1500 euros. Tu arrives, oh, madame, oui, bon, voilà, on vous donne à 1000 euros. Voilà 500 euros que tu es ancré dans ta poche. Parce que tu as engagé le mystère. C'est un mystère. Donc, c'est pour échapper au système parce que chacun d'entre nous, on a un joug financier dans notre tête. C'est en fonction de ta société là où tu es. On te limite d'abord ton salaire. Tu ne peux pas toucher plus de temps. Oh, voilà, tu es censé vivre dans tel quartier. Ce sont des limitations financières, psychologiques et spirituelles que vous avez. Donc, la dîme vous permet de sortir de là. Voilà. Et aussi les jougs familiaux. Ta famille, peut-être personne n'a jamais payé la dîme dans ta famille. Maintenant, toi, tu commences à dire que non. Parce que tu as essayé. Tu es tout bloqué. Dès que tu as un peu l'argent, ta famille appelle seulement. Oh, tu envoies l'argent à la famille, tu envoies. La dîme aussi te permet de te protéger de tout ça. Il y a des gens dans votre famille qui vous manipulent financièrement. Parfois, on prend ton argent pour travailler sur toi avec pour te faire du mal. La dîme te protège de tout ça. Je ne peux pas vous dire les bienfaits de la dîme. Je prends le temps aujourd'hui pour enseigner encore parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous connaissent, ils n'ont jamais entendu parler de la dîme. Il y a des gens qui sont là, ils ont 40 ans, ils n'ont jamais entendu. Je sais qu'il y en a que vous avez entendu, mais vous avez rejeté. Vous savez que ce n'est pas pour moi là-bas. Il y en a, vous dites, oh, moi, je n'ai pas donné à mes orphelins. Chacun sa part. Moi, j'enseigne ce que j'ai vu dans la parole, ce qu'on m'a montré. Voilà. Donc, j'ai l'une d'entre vous qui dit, donc on va laisser toutes nos factures, toutes nos dettes pour aller payer la dîme. Tu as d'abord, c'est spirituel. Les factures, c'est spirituel. Et Cambi, bienvenue sur ma page.
Moi, quand je fais mon direct, si ce que tu dis ne t'intéresse pas, tu peux partir. Tu as compris, papa? C'est comme ça que je fais. Je ne fais pas la dictature, mais je ne veux pas moi les distractions. Oh, you are. Voilà, moi, je te dis, moi. C'est aussi simple que ça. Quand il me met, il parle de mon sujet. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, il peut partir. Voilà. Lucide, j'ai déjà expliqué pour la dîme. Si tu viens d'arriver, tu vas regarder au direct après. Si tu ne veux pas regarder, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je vous connais, vous ne cherchez pas le savoir. Tout pour vous seulement qu'on va venir. Et quand on vient, on dépose sur vos pieds. Vous voyez, après vous négligez. Voilà. C'est qu'on vous a toujours dit que la dîme, c'est le moyen des pasteurs pour vous escroquer. On vous a dit que la dîme, c'est ceci, c'est cela. Bon. Ceux qui ont déjà, qui écoutent ceci depuis, ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre, je vais attendre peut-être 3 à 4 minutes. Vous allez écrire, et j'ai bien précisé la façon dont on écrit sur son papier. La façon dont tu écris ce que tu désires. Tu écris comme si tu avais déjà reçu. Je reçois telle chose. Si ta question, c'est en rapport avec ce que je suis en train d'enseigner, je peux répondre. Comment savoir à qui donner sa dîme? Voilà. Je veux aussi, ça c'est une question à laquelle je vais répondre. J'ai bien dit que vous avez des questions en rapport avec ce que je suis en train d'enseigner. Sinon, vous pouvez faire un message inbox. Les secrétaires vont vous répondre. Si ça n'a pas de rapport avec ça. Comment savoir à qui donner sa dîme? Ta dîme est payée là où tu es nourri spirituellement. Pas seulement que c'est parce que tu pars à l'église là. Oui, depuis que tu es petit, ta mère t'amenait dans l'église là. Maintenant, tu as tel âge, tu veux partir. Ça doit être un endroit, ça doit être une terre fertile aussi. C'est-à-dire, quand tu payes le mois, si tu vois toi-même comment. Hey, ça fait un mois que je paye ma dîme, ça fait 6 mois que je paye ma dîme ici. Je vois les changements. Je sens comment, voilà, j'ai la faveur ici, j'ai eu ça. Donc, si au départ, tu ne connais même pas par où payer ta dîme, tu peux seulement dire, ok, peut-être, supposons que tu as une église où tu pars, ou bien une église dans ton quartier. La première fois que tu pars là-bas, tu donnes. Seigneur, je viens de donner ma dîme ici, là, et je veux que tu me montres là où je dois. Parce que ta dîme, c'est un peu comme si tu partais, tu prenais ta semence, tu partais mettre dans une terre. Et ça pousse. Si la terre n'est pas fertile, si là, on n'arrose pas bien la terre là, si la terre là n'est pas de bonne qualité, tu vas semer, ça ne va jamais donner quelque chose. C'est spirituel. Et la dîme aussi, ça se donne. Tu peux avoir la personne, ça peut être. Parce que actuellement, avec le corona, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'églises en ligne. Donc, tu peux être au Cameroun, il y a un ministère que tu suis qui est aux États-Unis. Et quand tu écoutes, chaque fois que tu écoutes l'homme de Dieu là, ça te fortifie. Toi-même, tu connais que non. Il y a les banques qui font maintenant les cartes Visa. Tu es au Cameroun, va à la banque, tu fais ta carte Visa. Chaque fois que tu écoutes les enseignements de la personne, tu payes ta dîme dans ce ministère-là. Mais ça doit être un ministère qui vibre avec toi. Ça doit être quelque chose quand tu écoutes, ça te parle. Parce que quand ça te parle et tu prends ton argent, tu mets là où ça t'a parlé. C'est un peu comme si tu es en train de t'accorder avec la révélation que tu viens de recevoir. C'est un peu comme si tu viens de t'accorder avec. Parce qu'il y a des personnes qui vous partent en ligne, vous faites du vagabondage spirituel. Tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas. Après, tu ne donnes à personne. Tu crois que tu es sage. Tu te trompes toi-même. Ça peut être aussi un papa, peut-être un papa qui travaille souvent sur toi. Chaque fois que tu as un problème, tu l'appelles. C'est lui peut-être qui prie pour toi. C'est lui peut-être. Ça dépend. Donc, il faut que ce soit la personne que tu sais que non. Depuis que je suis connecté à ce ministère, à cette personne, mes choses marchent. Il y a aussi un truc que vous faites souvent, vous divisez souvent la dîme. C'est un truc que moi, je ne conseille pas trop. Après, vous faites ce que votre cœur vous dit. Voilà. La dîme se paye en intégralité. Tu payes en intégralité quelque part. Et quand tu payes surtout, Seigneur, je m'accorde. Je crois que c'est ici que je dois payer ma dîme. Si ce n'est pas ici, Seigneur, je crois que tu vas me révéler à qui je dois payer, ou bien où je dois payer, ou bien dans quel ministère je dois payer. Voilà. Et le Seigneur va te répondre. Mais n'attends pas en te disant que je vais cotiser pendant un an pour chercher. Non. Paye d'abord l'endroit où tu vois, en demandant. J'espère que ça répond à votre question. Comment savoir à... Beaucoup de pasteurs sont ici dehors, ils ont peur de vous enseigner sur la dîme. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que c'est la dîme qui les a aidés. Parce qu'ils ont peur de vos réactions. Parce que dès qu'on parle à faire argent là, au moins, il ne veut pas qu'on pense que je suis un pasteur qui aime l'argent. Il ne veut pas qu'on pense que je suis un pasteur qui aime l'argent. Quand
on t'enseigne la dîme, tu payes ta dîme sans don, ça devient plaisir pour toi. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Bon, je ne vois pas de questions, pas de problème. Il y a quelque chose que je vais encore dire par rapport à la team. La dîme est une arme que tu sors dans tes moments de prière. Parfois, on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Oh, ton cargo est tombé. Le conteneur est tombé dans l'eau. Seigneur, je paye ma dîme. Je ne peux pas avoir de perte. C'est comme une solide fondation sur laquelle tu te mets. Surtout quand tu comprends les principes de la dîme. Quand tu comprends les principes. Et je relis encore dans Malachie 3, verset 10. Je déclare les écluses des cieux ouverts sur moi et mon business, ma vie, ma famille. Les trucs que tu fais dans mon business, les gens n'entrent pas dans ton magasin là, on n'achète pas tes choses. Seigneur, je paye ma dîme, je dois avoir des clients. C'est quelque chose qui te convainc aussi à l'intérieur de toi-même. Donc toi-même, tu restes comme ça là. Je reçois la promotion au boulot. Je reçois la promotion au boulot. On ne peut pas me renvoyer. Même si on renvoie tout le staff, moi, je peux rester ici là. Parce que je paye ma dîme. Et il dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, tu arrives quelque part, on dit, oh madame, on est désolé, gna, 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 on a volé les trucs des gens ici. Non, moi, je suis béni. Je paye ma dîme. Mes choses vont toujours marcher. Ça devient pour toi, parce que parfois dans la société, on dit que c'est sur quelle base tu crois que pour toi ne va pas, que pour toi va marcher. Et parfois, tu n'as pas besoin de dire ça à ces gens-là parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, dans ton cœur, tu connais, tu as ta conviction interne. La dîme, c'est une carte que tu sors. C'est comme un revolver, ta dernière cartouche, je paye la dîme. Maintenant, il dit, pour vous, je menacerai sur celui qui dévore. Dans notre société, il y a un esprit qui dévore. En Égypte, quand il fallait que les enfants d'Israël soient délivrés, le dévoreur est passé. Si tu ne mettais pas le sang sur ta porte, peu importe que tu sois israélien ou égyptien, il allait te tuer. Donc la dîme, c'est un principe, c'est comme un sang que tu mets sur ta porte, sur ton compte bancaire. Le dévoreur ne passe pas dans mon compte. Les trucs que tu faisons, tu restes ensemble, on te paye. Aussitôt, il y a telle agence qui prend l'argent de ton compte. Dans le débit, piou. Tu les appelles, ils disent que ça va faire 2 mois avant qu'on te rembourse. Les choses comme ça, là, tu n'as plus jamais cherché de problème. Et il dit qu'il ne détruira pas les fruits de votre terre. Parfois, tu commences un projet. Tu commences un projet, pas, ça tombe à l'eau. Un projet où tu commences, ça tombe à l'eau. Parce que tu n'as pas engagé le principe de la dîme. Et il y a des gens parmi vous que vous payez souvent la dîme, vous ne le savez même pas. Maintenant, c'est l'occasion pour toi de dire que Seigneur, j'ai payé la dîme depuis 2 ans. Maintenant que je comprends ce que la dîme fait, je viens creuser toutes mes dîmes que j'avais. Je viens faire le bac d'être. Fais-moi le bac d'être, Seigneur. Depuis 2015 que je paye la dîme jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Je comprends maintenant, donc j'active ça avec ma parole. C'est comme ça qu'on utilise la cartouche de la dîme. Ça te permet de parler pour te défendre. La dîme est une arme que tu sors. Donc tu dis que la dîme t'a tellement aidé au Maghreb. Tu es passé de 150 000 voilà, à 240 000. Et tu peux être dans un pays où tout le monde pleure l'argent. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Mais toi, tu n'as jamais de problème d'argent. Ah, ah. Oh, la dîme, mon frère. Il dit que tu peux être dans un pays. Tout le monde pleure le guémé. Les noirs disent que wow, on ne trouve pas le boulot dans le pays, c'est dur. Ouais, on ne s'en sort pas. Quand tu te payes, c'est petit. Si tu n'as pas le titre de séjour, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas ceci. Toi, tu payes ta dîme.
Tu ne manques jamais l'argent. Et vous êtes dans le même territoire. Vous avez les mêmes conditions. Mais ce qui te différencie, c'est que toi, tu payes ta dîme. Toi, tu connais qui tu es. Et la dîme fonctionne peu importe le pays où tu te trouves. Peu importe la juridiction où tu es. Peu importe l'entreprise où tu es. La dîme vient t'isoler des mauvais trucs qui arrivent aux gens. Tu peux avoir un couple, la femme paye sa dîme, l'homme ne paye pas sa dîme. L'homme a toujours un problème. C'est toujours lui qui a fait piquer dans la poche de sa femme pour prendre, ouais, donne-moi même 10 000 là-bas, non. Donne-moi un peu 20 000 là-bas, non. La femme, dès qu'elle reste le matin comme ça, si elle a un petit problème de 50 000, en journée, 50 000 vient. Parce qu'elle a engagé, elle a compris le principe de la dîme. La dîme s'applique à la foi de la personne. On ne partage pas sa dîme avec quelqu'un. Même vos enfants. Parfois, ton enfant, tu apprends ton enfant à payer sa dîme, il paye. Chaque rentrée, l'enfant dit que je veux partir dans telle école, il paye sa dîme. Je veux tel vélo, il paye sa dîme. La période où il le faut, tu as l'argent pour payer l'école de l'enfant là. Tu as l'argent pour payer le vélo de l'enfant là. Donc la dîme vient t'ouvrir la faveur. Vous avez 5 enfants, hein. L'enfant là paye sa dîme, les autres ne payent pas. Chaque truc qui concerne l'enfant là est toujours spécial. Dès qu'on fait sa chose, ça marche. On dépose ses papiers, ça marche. Parce que l'enfant lui-même, il a engagé sa chose. J'ai des enfants de 15, 16, 17 ans qui me paient la dîme. Parce que leur mère leur a appris. Il y a un autre qui a payé sa dîme, sa maman l'a couronné l'autre jour. Il dit qu'il a eu un rêve là où il se voit avec une couronne sur la tête. Il s'est vu avec un habit royal. Le gars là, il a 16 ans, il paye sa dîme. Et j'ai dit à sa mère, imagine à 16 ans, il paye sa dîme. À 30 ans. Il y a des gens qui ont prospéré comme Rockefeller. Allez lire l'histoire de Rockefeller. Sa mère lui avait appris la dîme très tôt. C'est un principe à lequel il a prospéré. Donc vous devez savoir que la dîme ça vous met à part, ça vous sépare. Et on ne discute pas la dîme. La dîme, tu ne veux pas payer, ne paye pas. C'est toi qui vas sentir sur toi. Parce que parfois, on vous supplie dans les églises. On vous veut, non. C'est une place. Chacun qui sent dans lui-même. Tu peux être assis avec quelqu'un comme ça là. Comme la Bible dit souvent que vous allez être assis ensemble, on va enlever une personne, l'autre ne va pas être enlevé. Parce que les deux personnes, vous ne savez pas comment ils gèrent leur argent. Voilà. Est-ce qu'on peut voter une somme d'argent pour payer sa dîme? C'est-à-dire pas forcément les 10%. Vraiment. Ngonga. Tout le monde pleure le game. Ouais, vous avez les questions, c'est là pour tenter seulement les gens. Là, c'est là la chicheté. Tu as compris? Il y a la chicheté. Ce que tu veux faire là, ça, c'est la chicheté. Oh, tu en as. Tu peux être chiche. Voilà. Vous avez maintenant suivi, non? Ok. Si on te dit que la dîme, c'est un pourcentage, ton salaire, c'est 20 000. Tu dis que tu veux mettre une somme. À 20 000, tu dis que je vais payer 5 000. Après, tu te retrouves à 500 000 de salaire. Donc tu m'as encore donné 5 000 francs de dîme. Si c'est le cas, tu ne vas pas durer dans les 500 000 là. Tu vas encore descendre. Je pense aussi que la dîme, c'est même un système que Dieu a fait pour voir l'état de ton cœur. Pour voir l'état de ton cœur. Parce que certains d'entre vous, là, vos cœurs, vous êtes chiches. Quand vous n'avez pas, oh Seigneur, dès que tu as... Hey. Pardon, allons faire le shopping. Allons faire le shopping. Tu ne veux plus sentir Dieu. Mais Dieu, voilà mes 50 millions. Toi, je ne te vois même pas, c'est toi qui m'as donné 50 millions aussi. Parce que tu sais que si tu paies la dîme de 50 millions, c'est beaucoup. Hein. La dîme de 50 millions, c'est combien? Dites-moi vous-même.
La dîme de 50 millions, c'est combien? Avec Dieu, vous devez comprendre que quand Dieu te prend et qu'il t'en, tu engages les principes spirituels, c'est pour monter et monter et monter. Les 50 millions que tu as là, demain, tu auras encore 500 millions. Les 500 millions que tu auras là, demain, tu auras 1 milliard. Et donc, tu montes et 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 tu montes. Ce n'est pas pour, ce n'est pas pour. Parce que parfois, quand vous avez, il y a certaines sommes d'argent, quand vous avez, vous croyez que c'est la fin. Ma chérie, quand on te donne seulement quelques semaines ou quelques mois, l'argent n'a pas fini. Qui parmi vous ici là peut dire que tu vas vivre, peu importe combien tu as dans ton compte bancaire. Si on fait un an, on ne te donne pas 5 francs. L'argent n'a pas fini. N'est-ce pas? Il faut que tu sortes pour chercher encore l'autre nom. Si un jour tu fais un business, 50 millions tombent. Ah, je vais porter 5 millions, je vais donner à la reine Jocelyne. Non! Non, 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 Seigneur. Revoyons un peu, recosons, Seigneur. Tu sais, la dîme n'a pas besoin d'être 10%. Ça peut forcément, non, je peux aller quand même, je peux aller construire la maison à ma grand-mère au village. Ça devient la dîme, non, Seigneur. C'est là où on commence à réfléchir. Tu me dis que c'est 500 000. La dîme de 50 millions, c'est 500 000. Dans quel pays? Généralement, les gens qui n'aiment pas payer la dîme, même les impôts, vous fuyez. Vous fuyez les impôts. Même vos dettes, vous fuyez. Vous n'aimez pas rembourser vos dettes. C'est tout un ensemble. Et c'est pour voir l'état de ton cœur. C'est pour voir l'état de ton cœur. Parce que l'argent, peu importe l'argent que tu touches, sache qu'il y a plus devant qui est en train de venir. Peu importe la somme. Parce que dans ton pays, il y a quelqu'un qui touche plus que ça. Et sache que Dieu veut t'amener encore plus haut. C'est le système de votre pays qui vous a dit que oh, tu vas rester sur le même salaire pendant 2 ans. Dieu est dans l'augmentation. God is in the increase. Tu ne peux pas rester, tu payes ta dîme. Tu fais un an, tu as le même argent, seulement la même somme qu'il y a dans ton compte. Il faut checker, il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Donc je viens vous libérer de la chicheté. Je chasse le démon de la chicheté de ton cœur. Fait que tu crois que tu maîtrises plus que Dieu. Tu crois que tu maîtrises. Après tu reviens, tu dis ouais. Donc, il y a une question, que si j'ai payé ma dîme avec mon salaire, maintenant, je bouffe la tontine, est-ce que je paye encore la dîme dessus? Si tu as payé, tu as reçu ton salaire pendant 12 mois, supposons que ta réunion a fait 12 mois, et quand tu recevais le salaire, tu payais ta dîme et tu cotisais la tontine, tu payais la dîme et tu cotisais la tontine, tu payais la dîme et tu cotisais la tontine. Quand tu bouffes la tontine, là, tu ne payes plus la dîme. Parce que l'argent de la tontine est déjà sanctifié. Maintenant, si tu as cotisé ton argent, donc tu recevais ton salaire, tu payais le tu cotisais, tu recevais tu ne payais pas la dîme. Le jour où tu bouffes l'argent là, paye la dîme dessus. Parce que tu n'as pas payé déjà la dîme au départ de cet argent. La dîme sanctifie le reste de ton argent. C'est ce que je vous dis là, c'est très important.
J'espère que vous comprenez. Et peu importe le pays où vous êtes aussi, c'est comme si dans le système, il y a un plafond qu'ils ont mis sur les gens. Le plafond peut venir de ta famille. Peut-être dans ta famille, personne n'a jamais dépassé le cap. Parce que peut-être il y avait des alliances qui ont été faites avant. Abraham, par exemple. Quand Abraham sort de la maison de son père, il part. C'est parce qu'il veut mettre une nouvelle lignée. C'est parce qu'il veut établir quelque chose de nouveau. Sûrement, le père d'Abraham ne payait pas la dîme. Il ne faisait pas l'étude d'hôtel. Il ne faisait pas tout le sacrifice. Donc, ça, quand Abraham sort, c'est parce qu'il veut ouvrir. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut faire une alliance nouvelle avec Dieu. Et au sortir de ça, il devient fructueux. Il devient fécond, pardon. Il devient riche et très riche. Il continue de s'enrichir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Certains d'entre vous, vous avez demandé, tu es né dans une famille où personne n'est jamais parti en Europe. Tu grandis, tu tombes sur ce que j'enseigne, tu te dis waouh, tu commences à croire. Et là où tu es là, tu es dans tes 50 000 francs de salaire. J'ai des personnes qui ont commencé avec moi, ça fait 6 mois, 1 an. Elle t'a envoyé 1500 francs de dîmes, 1.5, ok? 1500 francs de dîmes par mois. Ça veut dire que par mois, elle avait 15 000. Maintenant, elle reste par semaine, elle m'envoie 1500. Ça veut dire qu'elle est quittée de 15 000 à 60 000. Parfois, même tous les 2-3 jours, elle m'envoie 500, 500, 1000 francs, 1100. Ça veut dire que ça te demande encore. Et ce que la dîme fait aussi, ça te délivre beaucoup. Parce que vous avez vu, je prends beaucoup de temps pour enseigner. Et les enseignements, si ça te délivre des pensées. Parce que le système de pensées négatives que vous avez hérité de votre famille. Maintenant, est-ce que vous avez hérité de l'environnement où vous êtes? Est-ce que vous avez pris dans les églises où vous partiez avant? Les églises où vous entrez, on passe d'abord dans les marécages avant d'entrer. On saute même sur 2-3 tombes avant d'entrer là, maintenant, dans l'église. Le pasteur vient, il prêche comme ça là. Quand il prêche, tu sais avant que, oh, Seigneur, emporte-moi au ciel, Seigneur, je vais mourir pauvre, Seigneur. Le Seigneur est bon. Maintenant, quand tu tombes sur les enseignements que je te donne, tu vois, c'est la Bible que je vous enseigne. Il faut que tu saches que ça va prendre du temps. Pour que tu te délivres toi-même par tes actes d'obéissance. Tu fais un truc, ça donne. Il y a une qui. On faisait quoi là-même? On faisait le témoignage dans la prière hier ou avant-hier. Il y a une qui dit que quand elle a commencé à m'écouter, sa tante qui est magne ici l'appelle. Elle lui dit que wow, je sais que tu suis la femme là. Je sais que tu payes ta dîme chez elle. Moi, je suis ici là, je suis magne ici depuis. Tu ne payes pas ta dîme chez moi. Je me suis dit waouh. Il vous observe, hein? Ces gens-là vous observent. Écoutez-moi bien. Et cette tante-là lui a donné tellement de précisions sur ce qu'elle fait. Elle dit que sa tante lui a dit que je sais que tu te laves avec le sel. Que tu te laves avec le sel, non. Tu laves tes enfants avec le sel, non. J'ai dit, man, that's creepy, man. How can you know that? Certains gens de votre famille, ils sont assis sur votre vie. Maintenant, quand tu commences à faire ces petites choses, ça paraît petit, hein, mais la spiritualité, c'est la consistance de petites choses. C'est ça qui te délivre. Supposons, chaque fois que tu as ta dîme, tu envoies. En envoyant, tu désires, Seigneur, je me libère de ce qui me retient en Afrique pour que je ne voyage pas. Seigneur, je me libère de ceci. Progressivement, tu avances un pas pour sortir de la tombe là, un pas, un pas. Quand elle a dit la précision avec laquelle cette tante lui a parlé sur les pratiques spirituelles qu'elle-même a fait, elle dit que n'est-ce pas, tu laves tes enfants avec le sel, que tu payes ta dîme chez la femme, non. Comment elle a fait pour savoir? Après, à la fin, elle lui dit, oui, continue tout de faire, que c'est bien, c'est en train de t'aider. Comment elle a fait pour savoir? Faites très attention, hein. Ils sont sur ma page, ils m'observent, je sais que vous me regardez. Je ne me suis pas envoyé seul, je ne me suis pas levé seul, je n'ai pas fait. Je sais que j'ai mon backup.
Mais je sais que je vais venir, je vais délivrer les gens qui doivent être délivrés. Si quelqu'un suit et il fait, lui-même va voir comment il va sortir de son trou. Toi-même, tu vas sortir de ton trou. Ta grand-mère n'a pas pu sortir, ta mère n'a pas pu sortir. Toi-même, tu vas rester comme ça, tu vas rester, tu vas voir. J'ai construit ma maison, j'ai mes voitures dans mon parking. Je peux voyager par en Europe comme je veux. Je ne manque pas l'argent. Hey. Alors qu'aucune femme dans ta famille n'avait jamais fait ça. Ils sont au courant de vous, hein. Mais le truc dedans, c'est qu'il y a une protection autour de vous. There's an edge. On va dire job. Job. Job ou job. Appelez ça comme vous voulez. Job, c'était pas n'importe qui. Certes, Job était le plus riche de gna gna gna. Je veux que vous voyez les pratiques spirituelles que Job faisait. Job chapitre 1. Et parfois, quand Dieu te prend, Dieu a pris David, dernier enfant de son père, avec plein de gna 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 gna, tout ça là. Il a oint. Il a fallu que David apprenne les principes de Dieu. Qu'il apprenne les principes. Sacrifice, offrande, dîme, ceci. Il fallait que tu dois apprendre comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu a des lois. Et ces lois te protègent partout où tu pars. Vous croyez qu'il n'y a pas les sorciers dans le pays ou en Israël là? Les Philistins, les ceci, ils avaient leur propre Dieu. Comment on fait pour un petit garçon comme ça là qui est là-bas, un petit jeune de 16 ans, là, comment tu apprends à inverser lui sur ta tête? Pour que 10-15 ans plus tard, tu deviennes le roi de tout Israël. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Je sais que vous pensez toujours qu'on ne peut pas être intègre, on est riche. Et malheureusement, il venait toujours me tester. Venez me tester, il n'y a pas de souci. Intègre, si la Bible dit que tu étais intègre et droit, ça veut dire que tu étais intègre et droit. Arrêtez de croire que vous êtes intègre, droit et pauvre. Arrêtez. Ne mettez pas ça dans les mêmes phrases, s'il vous plaît. Allez dans la Bible, vous choisissez les gens qui sont les exemples, non? Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit sept filles, sept fils, trois filles. Et maintenant, on parle de ses richesses. Voilà comment on va parler de vous bientôt au nom de Jésus. Voilà comment on va parler de vous. Que non, il y avait une femme là-bas, elle s'appelait Jocelyne. Elle a tel nombre d'enfants. La femme-là est intègre. Elle est droite. Parlons maintenant de ses richesses. Je vous dis que les gens de la Bible, ils étaient tout dans le ils faisaient dans tout. Ils faisaient dans tout. C'est vous qui êtes les pauvres. Vous êtes tout dans un petit business comme ça. J'ai ouvert ma petite boutique. J'ai ouvert ma petite boutique. Tu as vu petit dans la Bible cela? Bonjour Saïd. Saïd, c'est quoi là-haut? Bonjour la reine Foster. Sadia, bonjour. Écrivez, je suis intègre et droite. Maintenant, parlons de vos richesses. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. Oh, comment ça me plaît. J'aime qu'on parle de l'argent. Oh non, j'aime l'argent. Hey. On a parlé de deux petits mots sur son intégrité. Maintenant, on prend le prochain passage seulement pour aller son argent. Il avait ça, il avait ça, il avait ça, il avait ça. Écoutez, laissez qu'on parle de vous. Vous êtes venu ici, là, vous avez seulement pour, oh, je suis intègre et droit et je suis pauvre. Je change la description qu'on a de vous maintenant au nom de Jésus. Elle veut montrer que quoi? Elle veut montrer qu'elle a l'argent. Non, je suis seulement les pas des gens qui sont dans le... Je les suis. I'm just following the steps of my forefathers, man. Vous ne pouvez pas savoir, ça me plaît. Oh my God, le goût de ça.
La jambe est bon. Oh my God. Je vais ouvrir votre esprit pour que vous receviez l'argent. Que vous n'ayez pas peur d'avoir plusieurs sources de revenus. Que vous n'ayez pas peur d'investir dans plusieurs domaines. Que vous n'ayez pas peur qu'on parle de votre argent. Ça fait partie de vos blocages. Hein. Ça fait partie de vos blocages. Si c'est moi, j'ai fait dans une chose, je ne peux pas quand même. Ce mois d'avril, c'est quand vous allez ouvrir trois autres business au nom de Jésus. Non. Ma chérie, on va te craindre. On va te craindre. Elle me plaît jusqu'à. Je sens comment l'argent est encore devenu. Donc, c'est comme si Dieu a encore augmenté mon argent ce matin. Je ne sais pas. Vous savez quoi? Je vais sonner la cloche de l'argent. Attraper pour vous. Je vois quelqu'un que tu étais en train d'hésiter. Il y a deux, trois business qu'on t'a proposé. Tu hésitais beaucoup. Reçois, reçois, reçois. Reçois la bonne gestion. Reçois les gens intègres qui vont gérer tes business. On te fait seulement le rapport. Je dépose ça dans votre ADN. Je dépose dans votre subconscient. Je dépose dans vos os. Je vais ouvrir votre compte bancaire. Je multiplie vos comptes bancaires au nom de Jésus. J'ai envoyé une de mes amies l'autre jour. Il m'a parti à la banque avec un de mes conseillers financiers. Elle arrive. Elle dit que les accolades qu'on lui donnait là-bas. Elle dit que mamie, tu es qui dans la banque aussi? Il dit, laisse ma chérie. Il y a cela un an, on ne me connaissait pas dans la banque. Elle dit que le Jacques, que la directrice de l'agence, le Jacques va en train de se plier ici, là, que mamie, c'est que comment? Tu as que combien d'argent dans cette banque? Je prophétise sur vous, au nom puissant de Jésus, que vos banquiers qui vous négligeaient avant, aujourd'hui, ils vont connaître votre nom personnellement. Ils vont voir votre numéro de téléphone personnel. Je déclare que vos comptes se multiplient au nom puissant de Jésus. On a altéré votre façon de vous voir. On est venu dans la programmation de l'ADN, on a retiré un ribosome. Si ça se dit un chromosome, je ne sais pas trop quoi. Je remets le chromosome en place. La pièce qu'on avait retirée sur ta voiture pour que tu ne fonctionnes plus bien là, je remets ça. Au nom de Jésus. Vois-toi que tu arrives à la banque, dès qu'on dit au chef d'agence que tu es là, il dit pardon monsieur, excusez-moi, il chasse la personne de son bureau, que pardon, attends la femme s'y entre d'abord. Au nom de Jésus-Christ. Mais c'est bon. On s'est toujours moqué de vous. Oh. Tu appelles le banquier. Il dit bonjour, c'est madame. Il te raccroche. Tu es devant son bureau, tu attends. Il passe devant toi, il ne te regarde pas. Il passe. Il dit qu'ils vont connaître vos noms. Personnellement. Il va même demander ton numéro de téléphone. La chef d'agence, elle m'appelle Mom. Elle m'appelle Mom. Elle dit Mom, oui, Mom. Qu'est-ce qu'il y a que. Je dis que yes. Lisons alors l'argent que. Regardons l'argent de notre grand frère Job. 500 ânes. Chaque fois que je lis quelque chose, je veux que vous visualisez ça. Je veux que vous visualisez. Il possédait 7000 brebis. Vous voyez sa cour. Vous voyez les hectares qu'il a besoin pour mettre tous les animaux ici. 3000 chameaux. Visualisez. 500 paires de bœufs. Merde. Ça, c'est 1000 bœufs. J'essaie un peu de tendre pour voir. Ça va suffire où? Ça, c'est carrément tout un quartier qu'il a tenu. Une ville déjà. Continuons. 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Vous avez peur d'embaucher une personne. Tu as peur d'embaucher une personne?
Tu es censé aboucher des personnes. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de Doria. Ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, écoutez bien la partie ici. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il se lève, il prend, il les lave tous là, que je vous sanctifie. Après, il fait les offrandes, les sacrifices. Donc, on tue l'animal, on brûle, que je brûle ça pour tel de mes enfants. Je brûle pour tel de mes enfants. Je brûle pour tel de mes enfants. C'est dans la Bible. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Excusez-moi. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui dit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Jocelyne? Il n'y a personne comme elle sur la terre. C'est une femme intègre et droite. Elle craint Dieu, elle se tourne, elle se détourne du mal. Satan dit que, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ça paye de craindre Dieu. Écoutez bien, ça paye. Ça paye. Vous allez vous montrer la récompense de ça. Satan dit à Dieu que est-ce que la fille te sert pour rien? Est-ce que quand elle te sert, tu la protèges? Même le diable connaît que quand tu sais, hey! C'est vous qui ne connaissez pas. Vous allez vous flirter avec les mauvais trucs. Vous flirtez avec le mensonge. Vous flirtez avec les. C'est comme ça que vous abîmez. Vous ouvrez la porte pour qu'on entre pour vous faire du mal. Est-ce d'une manière désintéressée que Jocelyne te craint? Ne l'as-tu pas protégée, elle et sa maison? Et tout ce qui est à elle. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Écoutez, c'est Satan qui parle, hein? Oh, oh non, laissez. On vous supplie, paye ta dîme. Fais tes offrandes. Continue, ne paye pas, tu as compris? Ne paye pas, même le diable connaît que si tu payes, c'est bon. Oh my God. Ça me plaît moi-même, mes enseignements me plaisent ce matin jusqu'à. Ça a le goût. Le goût de ça. Même si tu es aux États-Unis, tu as un business qui est au fin fond de Oula. Prenons un peu une ville qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donnez-moi une ville perdue de votre pays là-bas. Parce que c'est mon bien, parce que c'est mon onction, parce que c'est mon argent. Peu importe là où ça se trouve sur la terre. Écoutez bien. Job chapitre 1. Michigan. Hein? 40 au Togo. Bafoussa. Dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvre le pays. Ça veut dire que tu es aux États-Unis, ta chose est à Tonga. Il y a l'onction de Dieu sur ça.
Il y a l'onction de Dieu sur ça. Ne laissez pas les gens venir vous donner la peur. On ne fait que me pousser pour que j'enseigne. Je devais payer ma dîme avec vous ici là. Vous voulez vous montrer comment on paye la dîme, mais il faut vraiment que je continue d'enseigner. Je veux que vous arriviez dans une phase de votre vie où vous comprenez que la Bible, ce n'est pas un livre de fiction. Il y a des gens qui vivent par la Bible. Ils sont protégés par la Bible. Même Satan connaît. Peu importe le cercle que Satan contrôle. S'il peut venir devant Dieu et dire que n'est-ce pas tu as protégé la fille là, il va passer par qui pour t'atteindre? Il va passer par qui pour t'atteindre? Par quelle confrérie? Par quelle secte? De quel côté? Vous ne vous connaissez pas. On vous enseigne, mais vous faites gna 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 gna. You are the living God. Is there no one like you? You're my healer, you are my keeper. My life giver. You are the living God. Oh. Is there no one like you? Pour ce mois d'avril, je crois que je vais commencer à prophétiser seulement. Is there no one like you? Is there no one like you? You are the living God, though. Is there no one like you? Pour ce mois, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour tes enfants? Beaucoup d'entre vous, vous allez devenir, vous allez lancer vos propres business. Pardon. Donc vous allez fonctionner avec l'indépendance d'organisation. Certains d'entre vous, you're going to become alive. La vie va naître dans vous. Je ne sais pas comment on peut dire. You're going to spring to life. En français, on dit ça comment? Vous allez naître. Ce mois d'avril, je vois beaucoup de naissances de nouveaux business. Les idées sur lesquelles tu t'ergiversais beaucoup, dans ce mois, tu vas mettre ça sur pied. Et beaucoup d'entre vous, vous allez gérer votre temps vous-même maintenant. Donc les numéros sont là pour ceux qui voient qu'ils vont payer la dîme chez moi. Si Dieu t'amène dans un autre endroit, tu vas payer là-bas après. Les numéros sont là. Donc, avant de payer ta dîme, tu fais ta prière d'abord dessus. Qu'est-ce que tu as, Seigneur, qu'est-ce que tu as encore pour tes enfants aujourd'hui? Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, vous allez surpasser vos peurs. Votre foi va prendre le dessus. Vous allez vous lancer sur des océans inconnus. Je vois quelqu'un que tu avais beaucoup hésité parce que tu disais que c'est un domaine que je ne connais pas. Ici, on m'arnaque. Ici, le Seigneur me dit de te dire de t'avancer sans avoir peur. Tu as déjà mis beaucoup de fondations solides. Ce mois d'avril, quand tu vas lancer, tu vas voir comment ça va te donner. Je vois Pierre, en fait, que Jésus montre dans sa barque et lui dit, lance par ici. Il dit, mais on a lancé là-bas toute la nuit, non? Il dit, lance par ici. Donc, vous allez recevoir des instructions pour lancer. Et pour d'autres aussi, je vois Bliss, c'est un peu comme un état d'extrême bonheur. Vous allez avoir beaucoup de bonheur. Donc, vous allez entrer dans un état où, avant, tu avais beaucoup de... Tu avais des périodes où ça n'allait pas, ton argent descendait, après ça montait. Dans ce mois d'avril, tu vas aller de joie en joie.
From glory to glory. De gloire en gloire. J'ai la carte de commencement. Begin, commencement. Ouais, je vous ai beaucoup dit ça. Donc, vous allez commencer un nouveau chemin. Et pas seulement un. 5, 6. Je vois beaucoup de... vous aurez beaucoup de sources de revenus que vous allez mettre sur pied. Ça prenait déjà forme, mais tu hésitais. Mais là, maintenant, je te vois en train de te lancer. Sans même demander l'avis de quelqu'un. Je m'excuse, mais je vois une personne que tu as carrément fait en cachette. Tu ne m'as pas dit à ton mari. Quand l'argent de ça va tomber, c'est là que tu vas dire que chérie, j'avais mis mon argent dans telle chose. Donc l'argent de la petite tontine qu'il ne connaît pas là, tu prends ça, tu vas mettre là-bas. Ok. Et je vois aussi l'expansion. Vous allez ouvrir d'autres. Voilà, vous allez créer d'autres produits dans votre boutique. Vous allez soit ouvrir d'autres magasins, mais je ne vois pas plus de magasins physiques, mais en ligne. Donc vous allez vous étendre, je vois les tentacules qui s'étendent pour le mois d'avril. Release, donc j'ai vu space, prendre de l'espace. Release, vous allez relâcher, libérer. Je vois un peu comme si vous êtes dans une arène, you know, like dans un stade et tu ouvres la cage au lion et il s'étend partout. Donc, tu vas prendre de l'ampleur, tu vas prendre du champ. Je vois aussi beaucoup de personnes que vous aviez des business, que vous aviez peur. Tu faisais ton business, mais tu avais peur. Tu as même peur d'envoyer aux clients. Tu as peur de... Non, tu as un courage là qui va venir en toi. Un courage qui va venir. Je vois aussi la superficie. Donc, tu vas quitter aussi de cette superficialité. Parce qu'avant, tu ne travaillais pas, tu n'investissais pas trop ton temps sur ton business. Peut-être que tu avais une chaîne YouTube, Facebook, je ne sais pas trop. Tu ne parlais pas trop sur la chaîne. Tu postais une fois tous les deux semaines, un mois. Mais là, tu vas recevoir une énergie qui va faire que tu vas t'investir énormément là-dedans. Tu vas vraiment t'investir. Et il y a aussi la carte de la clarté. Tu vas être, il y avait peut-être un brouillard par rapport à un business. Tu ne savais pas comment est-ce que je fais pour avoir les parts, comment je fais pour créer l'entreprise. Tu vas aussi avoir cette clarté qui va venir. Ce sera clair, ce sera limpide. Et ça va te permettre d'avancer. Je vois quelqu'un que tu voulais. On t'a fait une proposition, tu n'avançais pas parce que tu ne t'y connaissais pas. Donc je vois encore que le moment, ce mois d'avril-ci, tu vas avoir la clarté, la connaissance. Et cette connaissance va te permettre d'avancer sans avoir peur. Voilà. Et pour certains aussi, vous allez commencer une nouvelle aventure. Donc vous n'aurez pas peur de vous lancer dans cette aventure. Une nouvelle aventure. Je vois beaucoup de nouveaux, beaucoup de nouvelles sources de revenus. Beaucoup de nouvelles sources de revenus. Même si tu vois quelqu'un qui vient d'arriver dans un pays, on t'a intimidé, ils ont essayé de t'intimider quand tu es arrivé. Voilà, abondance bloquée. Ils ont bloqué ton abondance. Donc quand tu es arrivé, ils ont vu ton potentiel. Donc genre, tu étais au pays, tu faisais ça, tu faisais beaucoup de choses. Mais quand tu viens d'arriver, on a commencé à... Tu arrives, tu vois, tu te dis, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Ah non, ça va pas marcher. Ah, j'ai essayé, ça va pas marcher. Ils ont parlé ça pour bloquer ton abondance. Maintenant, toi, ce mois d'avril pour toi sera un mois de déblocage. Un mois où tu vas te lever un matin, où ça, tu vas avoir la force. Pourquoi tu vas aller faire? Donc, quand ça va se passer, il ne faut pas que tu te... Don't shrink back. Je vois un peu quelqu'un, quand tu vas vouloir faire ça, tu vois quand tu touches l'escargot, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa coquille. Donc, toi, tu vas te déployer. Quand tu vas te déployer, ça va arriver au moins, parce qu'ils avaient bloqué ton abondance. Quand tu vas te déployer, ils vont venir pour pouvoir te toucher, pour que tu rentres. Ça va arriver. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Tu ne rentreras pas. Tu ne feras pas marche arrière. Ok? Ça, c'est ta prophétie pour avril. Tu ne feras pas marche arrière. Tu ne feras pas marche arrière. Beaucoup de personnes aussi, vous êtes des leaders. Le dirigeant. Et tu travailles dans un endroit où il y a des personnes qui sont jalouses de toi, qui ont toujours voulu te bloquer. Il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Et ils ont bloqué cette capacité que... Donc, tu as les talents, même tu as souvent les suggestions pour ton patron, mais tu as peur de venir dire. Donc, il y a ce mois d'avril, on va te donner des tâches qui vont te permettre d'étendre, qui vont te permettre de montrer tes capacités de dirigeant. De capacité. Donc, je vois ce leadership-là qui va grandir en toi. Et cette fois-ci, tu vas plus tomber, tu vas plus laisser les gens tomber. Parce que je vois qu'avant, tu as eu à faire ça, mais tu avais eu peur. Et si je les laisse tomber? Et si je trahis leur confiance? Je vois un peu cette peur-là qui était en toi.
Donc, je te dis que dans ce mois d'avril, tu vas avancer sans rétrograder, sans rentrer en arrière. Je vois vraiment quelqu'un que tu vas faire ça. Et ça va tellement t'aller. C'est une casquette que tu as. Tu as toujours su que tu pouvais le faire. Maintenant, l'opportunité va se faire. Tu vas le faire naturellement. Mais n'oublie pas que tes jaloux seront toujours là-haut. Donc, tu ne dois pas tenir compte d'eux. Tu as suivi. Ils seront toujours là. Psaume 23. He makes me to lie down in green pastures. Il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Ils seront toujours là, mais le courage, il y a un courage là qui va sortir de toi. Maintenant, j'ai la carte du silence que j'ai tirée. Maintenant, tu vas, la première partie de ce silence, c'est que face à tes oppresseurs, tu ne vas plus te... Souvent, avant qu'on parlait mal de toi, comme ça, ça te faisait mal. Que non, je n'ai pas fait ça, tu vas plus te vouloir te justifier. Tu vas te concentrer juste sur ton travail. Tu vas te concentrer juste sur ton travail. Voilà. Donc, tu vas avoir cette capacité d'être silencieux. Et je vois aussi la carte de la seconde chance. On te donne une autre chance. Une autre chance. Tu croyais que c'était terminé pour toi. Repars encore, tu demandes. Demande encore à ta chef de te donner. Demande encore. Demande les responsabilités. Demande encore les responsabilités. On va te les donner. Et cette fois-ci, tu vas vraiment être excellent là-dedans. Maintenant, tu es aussi dans une phase, j'ai tiré la carte enveloppe charnelle, tu es dans une phase où tu vas mieux prendre soin de toi. Ah super, ta soeur a accouché par césarienne. Nous bénissons ce bébé. Il faut que tu fasses, dans les 8 jours qui arrivent, vous devez donner du sucre, du riz, du lait, tout ce qui est blanc pour la bénédiction de cet enfant. Tu as suivi? N'oubliez pas. Vous pouvez acheter ça, vous déposer à la maison. Toute personne qui vient visiter, vous partez, vous donnez. Donc, quelqu'un vient pour voir l'enfant, en partant, il part avec quelque chose de blanc. Peut-être un peu de sucre, un peu de riz, un peu de lait, peu importe. Ça, c'est pour ouvrir le chemin de cet enfant. OK. Création personnelle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes de bons créateurs. Mais je vois en fait comme si avant, tu avais beaucoup de paresse sur toi. Tu as l'intention de faire, tu as l'intention, mais... Quand tu rentres à la maison, tu dors, ou bien tes amis t'appellent, vous partez boire. Et donc, dans cette phase, dans ce mois d'avril, tu vas avoir l'énergie, tu vas te lever à 3 heures, tu vas crier, tu vas faire, tu vas, wow. Et c'est quelque chose que tu vas faire, tu vas vendre, tu vas faire, tu vas vendre. En fait, tu seras connecté à quelqu'un qui va te permettre de vendre des articles. Et ça va t'enrichir. OK? Voilà, donc n'aie pas peur, n'aie plus peur de venir avec tes idées. N'aie plus peur de proposer tes idées dans ce mois-ci. Tu n'avais pas fait quand l'enfant est né, tu peux refaire toujours Vanessa. Tu demandes seulement pardon aux ancêtres que tu ne savais pas. Finalement, ça se fait dans les maximum 8 jours de l'enfant. Danger la carte d'enfance difficile. Dans ce mois d'avril aussi, tu auras beaucoup de personnes qui t'ont menacé dans ton enfance. Premièrement, tu vas leur pardonner. Deuxièmement, ils vont revenir vers toi. Ou bien encore, tu n'auras plus peur de. Je crois que tu n'auras plus peur de lui. Parce que vous voyez, il y a des frustrations que tu as subies quand tu étais petit. Beaucoup de frustrations que tu as subies dans l'enfance. Et ça te bloquait. C'est comme si il y a même des oncles ou des tantes qui regardent tes statues. Oui. Ils regardent, ils te frustrent. Armand, send me your picture. On va te faire le distance washing. Quand vous demandez les services, vous ne les prenez pas. Maintenant, vous venez me dire que ça fait 5 mois que tu attends. Envoie ta photo, je vais faire le lavage tout à l'heure. Je dois m'arrêter le direct bientôt. 11h05. Je dois encore peut-être faire 15 minutes de direct. Donc, ce mois d'avril aussi, vous allez faire beaucoup de rencontres synchronisées. Donc, tu vas rencontrer des gens qui vont t'activer. Tu vas rencontrer des gens. J'amène, je ne parle pour personne de particulier. Donc, si je parle comme ça, tu ne reçois pas ta parole. Ce que tu vas peut-être payer à côté pour que tu fasses tes lectures. Je vois ce que Dieu a réservé pour nous pour le mois d'avril. Donc, si tu écoutes, tu attends que tu te localises, tu ne te localiserais pas. Tu as compris, non? J'ai dit non. Voilà. OK. Donc, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'activer. Des personnes qui vont te faire croire. Des personnes... Tu sais que parfois, il y a des gens que tu rencontres comme ça, là, tu te vois prospère. Tu vois, moi, c'est facile de se faire de l'argent. Donc, tu vas rencontrer des personnes qui vont activer certaines parties de toi. Donc,
Tu vois aussi, j'ai la carte de la flamme sœur, l'âme sœur, flamme jumelle. Quelqu'un qui va venir dans ta vie juste pour t'activer. Quelqu'un qui va tirer le meilleur de toi, qui va activer le meilleur de toi. Oui. Quelqu'un que tu vois qui va faire que tu veux être une meilleure personne. Ça peut être quelqu'un en ligne, pas forcément quelqu'un physique. Voilà. Maintenant, vous allez avoir aussi des changements positifs dans ce mois d'avril. Donc, peut-être des personnes avec lesquelles vous étiez depuis longtemps, ça n'allait vraiment pas. Tu avais l'impression que ces personnes-là te détestaient même. Maintenant, ta façon de penser va changer. Tes tantes voient tes statues. Donc, ta façon de penser par rapport à ces personnes-là, ça va changer. Et tu vas encore plus te faire confiance. Donc, vos relations vont changer. Ça va devenir positif. Et ça va te libérer. Parce que ça t'embêtait beaucoup. Pourquoi tu te demandais que, mais avec tous les efforts que j'ai fait, pourquoi les gens, cela ne m'aiment pas? Donc, il y a cette pierre-là qui va être enlevée. Et pour certaines personnes, vous allez aussi rencontrer votre âme sœur ce mois. Ouais. Vous allez avoir un partenaire de vie. Un partenaire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, vous comprendre. Mais je vous mets en garde de ne pas sauter rapidement dans la relation. Concentrez-vous beaucoup sur l'argent qui est en train de venir. Ne sautez pas trop vite dans la relation. Vous allez être à l'aise avec la personne. Gardez vos distances, n'aménagez pas vite ensemble. Protégez votre énergie, votre aura, votre espace, votre environnement. Donc, je vois aussi une bague, quelqu'un qui va recevoir une demande de fiançailles, en fiançailles ou bien. Je vois aussi un cadeau, quelqu'un qui va recevoir peut-être une voiture. Oui, tu vas acheter une voiture ce mois-ci. Soit tu vas acheter, soit tu vas recevoir une voiture. On va t'offrir un grand cadeau, quelque chose que tu voulais depuis. Ce sera même au-dessus de tes attentes. Ce mois d'avril. Qu'est-ce que vous avez encore à leur dire? Je vois encore la fête de la carte de rencontre. Lors d'une sortie, peut-être tu es en train de vendre tes produits ou bien tu vas rencontrer quelqu'un, une âme sœur peut-être. Soit tu vas rencontrer un business angel, quelqu'un qui va vouloir investir dans ton business. Directement, il va vouloir investir sans, il va pas te tourner comme on te tourne avant. Donc tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer le cours de ta vie. Donc soit juste l'avertissement que je te donne, ne trahis pas la confiance de la personne. Ne trahis pas la confiance. N'oublie pas que la personne vient répondre, tu as demandé à Dieu. Maintenant, relation discrète ou secrète. Je vois aussi certaines personnes que vous allez solidifier votre relation en secret. Avant, vous étiez trop, vous montrez trop ce que vous faites. Maintenant, vous allez apprendre à être discret. Ce mois d'avril, vous allez faire le vivant heureux, vivant caché. Vous allez apprendre à faire ça. Ok. J'ai bien envie de parler des pesos. I just want the bling, want the money, want the flash, flash. On parle pas d'argent. Allons. Lang, 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 lang. Le rêveur. Ce mois d'avril, vos idées vont vous donner beaucoup d'argent. Vos idées, vous allez créer beaucoup de choses. Vous allez aider les gens. Tu vas aider quelqu'un à résoudre un problème, il va te donner de l'argent. Quelqu'un va rester conseil, il va dire, oh, tu m'avais aidé à tel moment, il va t'envoyer l'argent. Donc, vous avez beaucoup de. Ce qu'il y avait dans votre tête va vous donner l'argent. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, ce mois d'avril, votre créativité va vous donner l'argent. On va même vous approcher pour vous dire que voilà, j'aime ta façon de faire telle chose. Est-ce que tu peux venir créer pour moi? Est-ce que tu peux. Donc, je ne sais pas, on va vous approcher pour ça. I just want the money, want the bling, want the pesos, want the cash, cash. Donc, vous allez aussi vous ancrer. Dans ce mois d'avril, vous allez vous ancrer. Je vois quelqu'un qui était très léger, tu étais très passif sur ton argent. Quand tu te levais le matin, tu n'étais pas ancré dans ton business. Je vois quelqu'un qui va se mettre à la besogne. Tu vas vraiment vouloir. Tu vas chercher l'argent. Ce mois d'avril, oh, tchon cap. Tu as compris. Ce n'est pas l'emploi, c'est grave. Tu vas chercher l'argent. Donc, il y a aussi beaucoup de jalousie ce mois d'avril. Parce que ton aura est en train de s'étendre. Tu vas vendre tes produits dans ta ville, je crois même dans ton pays. Tu vas avoir des commandes un peu plus loin que de là où tu étais avant. Là où tu vendais avant. Donc, la jalousie va aussi monter. Mais jalousie ne veut pas dire que. Ce qui fait que. Jalousie ne veut pas dire que ça va t'arrêter. Il y aura les actes concrets de jalousie. Donc, les gens que physiquement ils vont te faire, des gens de jalousie que Mais rappelle-toi du silence. Tu vas garder ton calme devant ces personnes. Et il y a aussi l'ange terrestre. Tu vas aussi aider beaucoup de personnes. Dans ce mois d'avril, tu vas
Beaucoup de personnes viennent te remercier, que wow, tu as changé ma vie. Oh, ma pomme de main gratte. Voilà les choses que j'aime. J'aime les choses comme ça. L'argent aime quand on parle de lui. Money, comme encore, comme money, comme. Oh là là. Je vois beaucoup d'argent, beaucoup d'augmentation financière. Promotion. Ah, moi, Seigneur Jésus. La promotion. Jesus, mes doigts commencent à gratter. Pardon, envoyez-moi l'argent. Oh. Yeah. Promotion. Mm-hmm. Promotion. Ça fait seulement un mois ou deux mois que tu as commencé dans le business là. Chiffre d'affaires multiplié par 2, par 3, par 4. Et voilà la promotion. Si tu travailles à ton compte, le chiffre d'affaires va augmenter. Si tu travailles pour quelqu'un, on va te retirer de ton poste en moins de 2-3 semaines. On va t'envoyer encore ailleurs. Aide d'une personne. Tu vas recevoir de l'aide de quelqu'un. Donc je vois beaucoup quelqu'un qui va venir, il va investir en toi. Quelqu'un qui va venir, il va te donner l'argent dont tu as besoin pour lancer ton truc. Donc genre, cette semaine, tu n'avais pas l'argent. La semaine prochaine, tu as l'argent pour tout faire. Tac, 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 tu alignes, tu achètes les matériels, tu achètes, tu mets, tu vends. Voilà. Mm-hmm. Et tu veux aussi être très indépendant. J'ai encore la carte du dirigeant qui sort. Le dirigeant, ça c'est la deuxième fois que tu es le dirigeant ici. Beaucoup de personnes, vous allez lancer votre propre business. Tu avais peur, tu étais à la maison. Tu vas avoir la confiance pour t'établir. Donc, tu vas te voir comme une chef d'entreprise. Tu vas te voir vraiment comme... Et tu vas prendre les rênes. Tu arrives peut-être à une fête comme ça, là. Il n'y a personne pour conduire telle ou telle cérémonie. Tu te mets, tu fais. Tu dis, on dit que waouh, la femme, c'est là. Donne-moi un peu tes détails. J'ai un événement la semaine prochaine. Tu peux venir là-bas pour faire. Tu dis, mais oui, bien sûr. Je fais ça depuis des années. C'est dans mon sang. J'ai ça dans le sang, hein, tu sais. Il y a cette confiance-là qui va monter en toi. Cadre de haute responsabilité. Qu'est-ce que je vous disais? On va donc t'ajouter le mois d'avril cela. Oh là là. Tu seras dans les hautes sphères, ma chérie. Mon cher. Tu vas rencontrer même les personnalités. Ils vont te dire, viens dans ma maison, viens dans ma voiture. Ils vont te porter personnellement dans leur voiture. Ils vont te porter dans leur voiture. T'amener, tu arrives dans le bureau comme ça là. De la maison blanche ou bien de je ne sais pas, et tout dit. On dit voilà, est-ce que tu peux nous aider à faire telle chose? Mais vous avez besoin de moi, vous êtes sûr? Oui. Et ton chakra de la gorge va s'ouvrir, on aura besoin de ta parole. Ta parole va compter, le communicant. Ta parole va compter, on va demander tes conseils. Qu'est-ce que tu en penses? On va te respecter, hein? Tu vas dire, ok. Oui, ta sagesse là, on va venir demander ça. Une dernière carte pour la route. Vous allez aussi sortir de la confusion. La carte de confusion. Il y a quelqu'un qui était très confus avant. Tu ne savais pas. Tu vas sortir de la confusion. Avril, tu es sûr que voilà ce que je veux faire. Tu n'hésites plus. Voilà avec qui je veux être. Hey! Donnez-moi l'argent. Pardon. Et que, disons d'abord que l'argent vient à moi. Je reçois. Je reçois l'abondance d'avril. Au nom de Jésus, je reçois. Des quatre coins de la terre, des quatre coins de l'univers, des quatre coins de la galaxie, je reçois sous forme monétaire, sous forme de faveur, sous forme physique, tout ce qui me revient, que ce soit les biens financiers, les biens physiques, financiers surtout, ouais. Je remplis mes comptes bancaires. Le retard que vous aviez aussi pris, je vois quelqu'un que je te dis, ah, elle parle comme ça, mais j'ai pris du retard, à cet âge, j'aurais dû déjà... S'il n'y avait pas eu telle personne dans ma vie, ce que je ne serais pas ici, j'ai pris du retard. Tu vas rentrer dans une phase d'accélération. Tu vas rentrer dans une phase d'accélération. Où tu vas, des choses vont, des projets que depuis 6 mois tu attends, en 4 jours on va te donner. Si c'est le visa que tu attendais depuis là, on va te contacter ce mois-là. Tu vas recevoir. Quand je parle comme ça, si ça résonne avec ton cœur, tu reçois ta part. J'ai dit que je ne tire pas pour quelqu'un personnellement. Donc, il y a des personnes qui ont... Si tu veux un tirage personnel, ça, tu vas contacter par message. Et tu dois payer pour ça. OK? Il y a des jours, je fais des tirages gratuits. Il y a des jours, je ne fais pas. Voilà. Donc, on a terminé. Chacun a reçu sa part. Ceux qui ont reçu, ont reçu. Ceux qui n'ont pas reçu, n'ont pas reçu. C'était là, en tout cas. Vous savez ce qui me pèse sur les Camerounais. Le Camerounais connaît saisir les opportunités.
Laissez un peu qu'un camion de jus, ça tombe un peu en route comme ça se verse. Pourquoi que le Camerounais va passer, va dire, oh, le jus est versé en route. Non, le Camerounais va venir ramasser, il va partir avec. Si vous faites une heure avant d'arriver, qu'on a vidé. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai grandi à Tungan. Il y avait des nuits comme ça, là, tu vois, chacun avait le seau de 15 litres. Il y a l'huile dedans. On dit que c'est quoi? Il dit qu'il y a le camion citerne qui est tombé là-bas en route. Chacun est parti ramasser sa part d'huile. Oui. Donc, recevez votre abondance. No problème, Pascal. Chacun part ramasser sa part. Après, on vient, on chauffe l'huile, on fait la terre du fond là, on retire. Le dessus là, on part, on garde ça dans les boîtes. Vous allez préparer avec le rouge même pendant un mois, ça va vous dégoûter. Ok, que ce que vous avez reçu ici, là reste. Et que ça se multiplie. Voilà. Voilà. Bon. On me dit qu'il y a des personnes, je dois accorder peut-être 5 ou 10 minutes. S'il y a quelqu'un qui avait payé pour une carte, je n'ai pas tiré. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a quelqu'un qui a payé pour une carte, je n'ai pas tiré. Je vais tirer peut-être pour 10 personnes. Ok? Si vous avez déjà les détails pour payer, vous payez juste, vous faites le tour, vous envoyez. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. J'ai le téléphone en main, donc si vous pouvez. Envoie au numéro, tu envoies ta photo surtout. Parce que je vais arrêter d'imprimer les photos dans 10 minutes. Si je n'ai pas reçu ta photo, je ne le fais pas. Donc envoie ta photo. Donc le numéro pour faire le transfert Orange, c'est le 655 310750. 655 310750. Je vais peut-être prendre 5 ou 10 personnes. Allez-y rapidement, vous me dites dans quel domaine. J'ai fait le collectif et je voulais partir. Moi, je dois aller manger. Moi, je mange pour vivre et je vis pour manger. Si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, vous laissez ce que vous n'avez pas pour vous. Je sais que beaucoup de personnes déjà, vous avez déjà reçu votre truc, donc ça ne me dérange pas. J'ai lu pour tout le monde. Maintenant, je sais qu'il y a 2-3 personnes que vous voulez absolument que je tire pour vous. Quand il parlait, l'argent était en train de venir. Voilà l'argent qu'on a déposé dans mon compte. Je vous dis que l'argent est bien. Kapung. Hey, Kapung. Maman, le nombre d'argent qui est entré dans mon compte depuis qu'il parle, c'est maintenant qu'il voit. Je viens bénir ton don, je bénis tes offrandes. Ok. Bon, quand vous faites le paiement, vous faites la capture et vous envoyez. Le numéro, c'est le 693 50 22 66. 693 237 693 50 22 66. Donc, mission de vie. Ok, ça veut dire que tu es la première personne. Dès que j'arrive à mes 5 personnes, j'arrête. Bon. Je vais te voir. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Tu es quelqu'un de très fidèle. Tu es fidèle. Tu es. Je vois aussi beaucoup la peur. Je dois te faire un voice. Je vois la peur chez toi. Non, j'ai déjà tiré ta carte, ma chérie. Attends. Je t'ai déjà tiré une carte, non? Attends, je crois que j'ai déjà fait la tienne. Oui. Oui, c'est bon, Larissa, je te vois. Je crois que tu avais déjà payé, oui. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à Larissa? Ta mission de vie est de faire rêver les gens. Tu as la capacité de changer ton image. Tu es comme une actrice, en fait. Tu peux rentrer dans n'importe quel rôle. Donc, il faut que tu aies plus confiance en ça, que tu aies confiance en cela et que tu n'aies plus peur de faire ce que ton imagination te montre. C'est très important. Tu as cette capacité.
que quand les gens te voient, ils rentrent dans ton truc, dans le swag que tu montres aux gens. Voilà. Tu as traversé des choses, tu as peut-être fait des investissements, travail, qui t'a un peu fait le burn-out, donc qui t'a un peu fatigué. Prends du temps pour te ressourcer. Et tu vas aussi, quand tu vas te ressourcer, tu vas aider d'autres personnes à se ressourcer en même temps. C'est comme si ce que tu vas faire pour te sortir de cet endroit. Et je te vois en fait dans ce trou, ton imagination est un peu bloquée. Et ça te fait un peu de peur. Donc quand tu vas faire, sortir de là, tu vas aider d'autres personnes aussi. Voilà. J'ai aussi la carte du commerce que j'ai tirée. Donc je pense que dans les jours qui arrivent, tu vas avoir une source de revenus qui va augmenter, une ou deux, pardon. Et tu vas échanger tes dons pour de l'argent. Et je vois la carte, j'ai tiré la carte de la beauté. Ce que tu vas faire va aller dans le monde, dans le domaine de l'embellissement, pour rendre les gens plus beaux, ou bien pour t'embellir toi-même. Et les gens vont acheter ce que tu portes, quelque chose comme ça. Donc peut-être le vestimentaire, je ne sais pas. Mais tu vas t'étendre. Je vois que tu es en train de t'étendre financièrement. C'est comme si tu réfléchissais depuis que je peux investir dans quoi, je peux faire dans quoi. Voilà. Il faut aussi rentrer dans l'attitude de gratitude. La gratitude. Parce que tu as déjà traversé beaucoup de choses. Depuis quelques mois, tu as tellement semé, tu as prié, tu as demandé. Et c'est comme si dans une phase où ça va seulement venir. Je vois comme si en train de ça va tomber, ça va s'aligner. Voilà. J'ai la carte de la liberté. Ta dernière carte, c'est la carte de la liberté. Tu es libéré d'un trou dans lequel tu étais. Donc tu es libéré de cela. Ok. Bon. Je me rappelle, elle avait envoyé depuis longtemps. Je n'avais juste pas tiré. Bon, pour ceux qui ont leurs règles aujourd'hui, on fera le lavage le 5 aussi. Donc tu fais le paiement. J'ai vu ton paiement. Mais je vais te mettre dans ce qu'on va laver le 5. Le 5 ou le 6. Donc tu m'enverras ta photo. Rappelle-moi juste ce jour-là. Oui, envoie ta photo et tu envoies ton nom avec l'argent. Je vais fermer dans 10 minutes, comme j'ai dit. Donc envoie ta photo. Si tu n'envoies pas, je ne pourrais pas te laver. Bon. Bon, je vais voir la prochaine personne. Sorente, est-ce que tu as envoyé ton paiement sur le truc? Est-ce que tu as payé pour ton tirage que tu demandes? Je ne ferai que pour ceux qui ont payé. J'ai fait beaucoup, j'ai fait des tirages déjà. Attends, il y a encore une autre personne. C'était qui? Ouais, il y a une dame là. Attends, il faut que je la retrouve. Vos lavages seront faits, ne vous inquiétez pas. Vous avez suivi. Où je trouve cette dame. Oh là là. Cette femme-là, c'est vous, si elle n'a pas de chance avec moi. Chaque fois que je tire, je l'oublie. La dîme se paye sur le numéro 655 310750. 655 310750. Et le nom, c'est Abbé Solo. Bon, ceux qui veulent les lavages, on va arrêter à 11h, normalement à 11h30 et on va imprimer. Ouais, Seigneur, que je trouve cette dame aussi, non? Vous voyez. Pourquoi je te trouve pas, ma chérie? Je vais faire envoyer, et puis après je vais lui envoyer. Je vais te la trouver pour ça. Bon, qu'est-ce que
que vous avez pour Yvette. Tu es en train de rentrer dans ta puissance. Et les choses qui t'arrêtaient avant ne vont plus t'arrêter. Tu es en train de rentrer dans ta saison de puissance. Et le don que tu as fait ce matin d'ailleurs, ce don est quelque chose qui va parler pour toi. Tu es dans la dernière phase de... Je te vois en fait dans une dernière phase pour creuser ou bien... C'est un peu comme si tu avais beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, tu es en train de... tu es dans la dernière phase de travail, on va dire comme ça. Voilà. Tu es dans la dernière phase. Donc, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Voilà. Ta puissance, je te vois comme une femme, tu es très puissante. Et cette puissance est en train de grandir. Avant, tu ne te connaissais pas, tu doutais. Et cette puissance, en fait, était utilisée par d'autres personnes. Donc, le Seigneur veut que tu saches que maintenant, cette puissance-là ne pourra plus être altérée. Mais tu vas fonctionner dans la plénitude de cette puissance. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres à dire à Yvette? Dans le passé, on a volé tes idées. Je vois en fait comme si quelqu'un avait mis une longue vue pour voir ce que tu fais, pour tricher tes idées, pour te... tu as peut-être investi, tu as fait un business avec quelqu'un. Check un peu la personne à qui tu as... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce qu'on t'a dit par rapport à tes trucs que tu as perdu, ce n'est pas totalement vrai. Soit c'est un complot qui a été formé contre toi. Donc, en parlant, comme j'entends de faire l'offrande ce matin dans l'orphelinat, parle contre cela. Appelle tes ancêtres et tu demandes que justice soit faite. Voilà. Tu es aussi un être très spirituel. Donc, le matin, quand tu m'as... ça fait 2-3 jours quand tu m'as parlé... je crois qu'ils m'ont dit, tu es un être spirituel. Il faut que tu t'investisses, que tes finances viennent de ta partie spirituelle, de ta puissance spirituelle. Voilà. Tu dois aussi rentrer dans une phase de... Dans une phase de solitude où tu vas arrêter de prendre les idées des autres personnes, mais tu dois agir sur tes propres idées. Voilà. Tu dois agir sur tes propres idées. J'espère que ça va te parler. Donc, je vais faire une dernière pour la mission de vie. Qu'est-ce que vous avez à dire à lui? Donc, si tu as envoyé ton truc de lavage, envoie ta photo, s'il te plaît. Ta photo et ton nom. Merci. Qu'est-ce que vous avez à dire à Yvette? Voilà. Tu dois te mettre à ton compte. C'est tout ce qui te fait que venir. Tu dois aller dans une indépendance d'organisation. Et tu es un leader dans cela. Tu es un leader dans le spirituel. Je ne sais pas, ça résonne tellement, je sais pas, parce que tu sais que c'est ça, mais tu avais des blocages avant, maintenant tu dois te lancer. Tu as la carte du dirigeant et la carte de dépendance. Tu dois être indépendant, donc ce que tu dois aider les gens dans le spirituel. Tu es déjà prête pour ça, en fait. Voilà, tu es déjà prête pour ça, donc arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Voilà. Ok, donc j'ai terminé avec toi. Oui, ceux qui s'enregistrent pour le lavage, on va les laver sur place à Makepe à 12h00. Donc, il y aura une séance de lavage. Tu as un très bon aura, ma chérie. Très bon aura. Très jalousée. Je crois que tu as été bloqué même dans l'enfance, carrément. Flamme jumelle. Tu es dans une phase où tu as... Il faut que tu te rendes compte que... Voilà, il y a quelqu'un qui te protège. Il y a une personne que... Vous avez été ensemble dans une ancienne vie. Et cette personne est là autour de toi pour te protéger et te guider. Oui, il y a une... Donc, il faut parler à ce guide-là. Parle à ce guide-là. Je crois que c'est ce guide-là qui t'a amené même à moi, d'ailleurs. Parle-lui. Parle-lui. Bonjour, la reine Monica. Bon, je suis à 11h30, donc il faut que j'y aille maintenant. Donc, le lavage à distance, j'ai bien dit, c'est 3 800. Ceux qui sont en France, c'est 56 euros. Donc, j'ai tiré déjà les personnes qui ont... j'ai dit ceux qui payaient immédiatement, je faisais immédiatement. D'accord. Bon.
Vous faites, vous passez une bonne journée.